One, two, ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gotham Knights. J'aimerais bien avancer un tout petit peu sur l'histoire, mais vraiment juste un peu. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir jouer, mais voilà. En tout cas, sachez qu'il y a des mods, oui, on peut dire que c'est des mods, des cheats vraiment avancés. Attends, j'ai cru entendre un truc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un crime par là? Ouais, je sais pas. En tout cas, sachez que les mods qu'il y a aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est vraiment du jamais vu, les reilles. Salut, ça va ou quoi? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Petit coup? Ok, je suis prêt. Wesh, ils sont déjà morts? Ah non, j'ai juste assommé. Voilà. Ah, wow. Il a la classe de fou. Bref, les reilles, en gros, déjà, toutes les attaques spéciales en illimité. Bon, au bout d'un moment, peut-être ça va vous saouler. Mais moi, je trouve ça vraiment très cool. Ok? Ensuite, les déplacements pour les persos. Ça va être très rapide. Mais vraiment très rapide. Déjà, avec Robin, c'est amélioré. Mais avec Red Hood aussi, c'est pareil. Avec Batgirl aussi. Mais bon, je sais même pas en fait lequel a le meilleur gameplay. Je crois que Robin, c'est vraiment stylé. Le combat, il est rapide, il est agile. Je sais pas moi, après j'avoue que Batgirl, je la kiffe en termes de balade. Pour se balader en tant qu'elle, avec le mod, c'est exceptionnel, je vais te montrer juste après. Heureusement il y a ce truc là, les reilles. Ça permet directement de venir ici. Tu choisis un perso, après tu retournes, you know. Voilà frérot. Plutôt que de retourner au beffroi. Enfin après tu me diras, le beffroi c'est pas non plus, voilà quoi. Et bref, au niveau de l'histoire... on est juste après la dernière chose qu'on a fait avec Enara. Vous avez reçu un appel de l'inspectrice Montoya. Voilà. Elle dit qu'elle doit vous parler d'un mandat d'arrêt. Du coup, les frères. Merci, Beffroi. Juste après les bails de labyrinthe et tout, je sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez ou pas? Bref, je vous mettrai peut-être une cinématique parce qu'il y a une cinématique qui a eu entre temps. Je sais pas, ou bien je vous la mets en non répertorié, ou bien je vous la mets là maintenant. Les ergots, le labyrinthe, c'est la punition quand on dénonce la cour. Quand je pense que Jacob Kane s'imaginait qu'on serait du même côté. Le labyrinthe ne servait pas qu'à nous tuer. La cour voulait s'insinuer dans nos têtes. Ça aurait pu marcher. Ça va aller, Tim. Vraiment ? Batman ne tuait personne, mais qu'est-ce qu'il ferait face à des soldats prêts à renaître sous forme de monstres? Moi, j'étais mort. Ça fait de moi un monstre? On a subi un simple petit revers. Et tu songes direct à ça, Tim? À un meurtre? Je comprends qu'on veuille qu'il évite les meurtres, mais le labyrinthe était plus qu'un revers, Barbe. Arrête de parler de moi comme si j'étais pas là. Tu n'es pas Bruce, personne ne l'est. Assez! La ville s'est quasiment liguée pour tuer Batman. Quand Bruce rentrait à la maison, blessé, presque mort, je le remettais sur pied. Comme je le fais avec vous maintenant. Il était souvent en colère. Mais il ne s'abaissait jamais à leur niveau. Et vous en ferez autant. Alfred a raison. Batman avait des principes. Peu importe si ça se corse, on doit les respecter. La cour est composée des familles fondatrices de Gotham. Et elles protégeront les leurs, exactement comme le font les familles. Ils ont peut-être le même sang. Ce ne sont pas des familles. Pas comme la nôtre. Les preuves qu'on a pu trouver à l'hôtel contre Jacob Kane sont pratiquement en béton armé. Alors notre meilleure option n'est pas la guerre,
ce sont les poursuites. C'est pas un mandat d'arrestation qui va freiner Kane. Peut-être que si, si on aide les forces de l'ordre. On parle bien des flics qui tirent sur tous les héros masqués de Gotham. J'en connais au moins une qui est encore dans notre camp. Bon, je suis content, pour l'instant ça a fracassé le jeu, le bail. Parce que des fois quand j'active ce truc là... Ah waouh, des fois ça devient tout blanc l'écran, très bizarre, je sais pas pourquoi frère, parce que ça débloque les capacités de la physique de jeu, de je sais pas quoi, j'en sais rien les frères. Mais je n'ai jamais pris autant de plaisir à me balader dans la ville qu'avec ce mode, avec Batgirl. Parce que avec Red Hood, il a aussi le frérot qui a fait les cheats, il a aussi bien sûr amélioré la distance de saut de Red Hood, et ça donne vraiment un truc stylé, mais je crois qu'avec elle, ça donne vraiment les trucs les plus rapides, enfin les déplacements les plus rapides. C'est un petit peu dommage vraiment que à la base ça vient pas comme ça, tu vois. Je sais que ils essayent de faire une expérience qui soit réaliste, tout ça, mais je trouvais peut-être qu'à la base c'était quand même un peu lent, tu vois. En tout cas moi je préfère largement profiter comme ça du jeu plutôt que de... Ben voilà quoi, c'est assez clair les Rey, vous me connaissez. Je suis désolé vraiment s'il y a un développeur qui passe par là, vraiment c'est pas contre vous les Rey, c'est juste que moi j'aime trop jouer au jeu de la sorte, c'est pour moi exceptionnel. Est-ce que c'était un flic ou c'était... J'ai entendu que ça parlait une... Ah des fois c'est des justes citoyens. Bon vas-y, on va aller voir la dame. On va voir comment ça se passe. Attends, tu sais quoi? Je vais te montrer comment c'est exceptionnel. Surtout éviter de... Ah c'est eux là, ça va. Tu sais quand c'est des flics c'est vraiment compliqué. Enfin bref. Ok, let's go. Je crois même qu'il y a un changement au niveau de l'angle de caméra. Et du coup ça va plus vite les Rey. Est-ce que... Waouh, ça va beaucoup plus vite. C'est une singerie. Parce que les Rey auparavant, tout était design de manière à ce que même tu remarques pas que... Bah tu vas lentement. Mais la moto, elle était bad lente. Vraiment, là c'est... Il n'y a plus de limite. Frère, il faut que je sorte d'ici là. C'est quoi ça? C'est des flics? Hop là, oh là là là. Désolé, je suis un chauffard les Rey. Hop 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 hop. Oh là 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 là. Maintenant je comprends pourquoi quand les flics ils me voient, ils commencent à se dire oh, yeah, c'est un méchant méchant. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, ah non. Ah non. T'as vu, j'ai voulu mettre en Y. Voilà ce que ça fait. En fait auparavant, l'autre mode que j'avais, quand tu mettais en Y, c'est là que t'allais vite. Et là en fait c'est le contraire. C'est quand tu mets pas en Y, ça va très vite, ça va vraiment vite. Et quand tu mets en Y, starfull là. Et après, ah waouh. Oh là là, quel kiff. Quel kiff, quel kiff. Tu peux monter très haut comme ça les frères. Bref, elle est où la Montoya? Elle est là. Eh, tu penses qu'elle elle porte un manteau? Yeah. Tu as capté ou... Bref. Tu me dis si t'as kiffé la blague, si t'as pas kiffé, ben c'est pas grave, hein, écoute, hein, ça sera pour la prochaine. Oh well. Wesh, y'a des gens à côté là. Chaque fois j'entends des gens qui parlent. Bonjour, je suis derrière vous. Eh ouais. Sans bas les steaks. Dites-moi que vous avez une bonne nouvelle. J'ai assez de preuves pour boucler Kane des années. Ah bah voilà. C'est le mandat qui pose problème. Mais qu'est-ce qui coince? Je suis allée voir tous les juges que je connais, et aucun ne veut le signer. Ils ont peur. Sans être au courant pour la cour, les gens savent qu'on ne s'attaque pas à Kane. Vous avez contacté la juge Moreno? Elle n'a jamais hésité à poursuivre les grandes fortunes de Gotham. Elena était l'un des premiers noms de ma liste, mais j'imagine que l'affaire du tunnel de Chelsea a laissé des traces. Elle s'est volatilisée. C'est qu'elle doit avoir ses raisons. Je vais tenter de me renseigner. Si on peut l'aider, elle nous renverra peut-être l'ascenseur. Faites signer ce mandat, et je le ferai appliquer. Ah,
Comment tu veux que je fasse ça, meuf? C'est-à-dire, t'es là, tu me dis, fais signer des bails. Quand même, c'est compliqué, oh wow. C'est quoi ça, James Gordon? Oh non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Ah, c'est un hommage. C'est dommage. Ah, parce qu'il est die. Mais j'ai zappé, wesh, c'est quoi cette histoire? Wesh, on vient de te parler, meuf. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce... Oh là là. GCPD, Gotham City called. And we didn't answer. Un gobelet, hein. Et de l'alcool, hein. Ah ouais. Wesh, mais non, c'est gênant, frère. Arrête, arrête. On vient de se parler. De quoi? Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans un endroit pareil? On vient de se parler. Oh non. Pareil que vous. J'aime pas ça. Donc là, en fait, pour avancer dans cette quête principale, il faut interroger la mafia pour récolter plus d'informations. Donc en fait, si vous avez capté, Jacob Kane, c'est le boss qui est à la tête du... Bref, de la cour des chouettes, là. Tu as capté ou c'est comment? Ah, c'est des petits méchants. Peut-être qu'on aura l'occasion. Salut! Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Premier truc que j'ai fait, j'ai fui. Hop, 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 hop. Hein? Songe à mort, frère. Oh là là, vraiment, je suis un peu déçu. J'aurais peut-être pu interroger des gens, non? La mafia. C'était pas eux, la mafia. Ah non, la mafia, ils sont habillés différemment. You know, they're dressed differently. It's Lara Kai, man. Lara Kai, elle est habillée différemment. Je vais essayer de voir. Attends, je veux des survettes. Donnez-moi des survettes, là. Des grosses chaussures là. Attends. Elle est où la voiture? J'ai pas l'impression que c'est la mafia ça. Ouais. Alors hop 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 hop. Bonjour, est-ce que c'est la mafia, monsieur? Est-ce que c'est la mafia? Attention. Mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Comment on fait pour les choper les gens déjà? Oh là là, je sais même plus, frère. Alors. Ne t'attends pas, je vais parler. Merci bien. Est-ce qu'il a parlé ou... Merde. Henniglix, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, c'est des gens de la... La ligue des assassins, ou je sais pas quoi, là, non. C'est pas ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ça va faire mal. Ah ah. Ah ouais. Du coup, je sais même pas si ça nous a donné des bonnes infos parce que j'ai pas interrogé les bonnes personnes. Alors là, vraiment, je serais la meilleure si vraiment j'ai pas... Ah bah oui, voilà, je vous ai dit, ça, c'est pas la mafia. Les mafias, c'est costard cravate, et non, c'est la classe. Ah, c'est pas pareil. Oh, Guarcegassi, c'est magnifique. Je suis pas sûr, mais peut-être que c'est là, en fait, tu vois. C'est un truc en rapport à la cour des hiboux. Est-ce que c'est ça ou ben c'est pas ça, you know? Ah, il y a des mecs en bas et tout, ouais, c'est possible. Ouais, à mon avis, là, on est plus dans du costard Armani, tout ça. Là, on s'y retrouve un petit peu, je pense. Hein. Ok. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est un nid des hiboux. Oh là là. Me dis pas que je suis en train de me tromper, les reilles. En tous les cas, c'est assez intéressant. Voilà, moi, je dis ça comme ça. Est-ce que c'est pour me rassurer? Faites attention, mademoiselle. Faites attention. Ah ouais, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre, frérot? Hop, 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 hop. Ouais, c'est vrai, c'est moi les ré... Oh là 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 là! Ah ouais! Magnifique! Voilà! C'est vous êtes déstabilisé! Ta gueule! Ouais, effectivement, du coup, ça n'a absolument rien à voir. Uh-huh. Je m'attendais pas à ça. Wesh! Oh non, pas eux. Oh, les animaux, là, de je sais pas quoi. C'est les animaux de... C'est la cour des animaux. Oh là, la cour des hayawan. Passons à la vitesse. Ah ouais! Oh. Je préfère. Alors, en utilisant des attaques parfaites.
J'ai nettoyé un des nids de la cour. Elles étaient très parfaites, hein. D'accord, bien reçu. D'accord, est-ce que ça nous aide pour la mission? Pas du tout. Très mal reçu. Vraiment, n'importe quoi. Ils savent pas accueillir, frérot. Et alors, il y avait un peu du costard Armani au départ. Mais après, ça a commencé à être autre chose, frère. Vraiment, j'ai pas compris, hein. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut, mon pote. Mon pote, est-ce que tu penses que je pourrais leur tomber dessus comme ça? Je sais pas, mais logiquement. Attention, faudrait pas non plus que je les bute. Ouais, ouais, c'est Batgirl. Mais toi, tu t'échappes là, non? Est-ce que je peux te choper, s'il te plaît? Viens, 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 viens. Oui, il est mignon. Attends, attends, attends. Parle. Il veut pas parler, ce chien, c'est dingue. Bon, il a pas voulu parler, du coup, j'ai déglingué. Mais est-ce que, pour autant, il m'a pas donné des infos? Il y avait des petites loupes, là. Je crois que je me suis loupé, en vérité. Hein. Alors, j'interroge. Je cherche la juge Elena Moreno. Dis-moi où elle est. On n'est pas assez dingue pour se frotter aux gens qui veulent tuer Moreno. Faut la déstabiliser. Mais les régulateurs, ils se vantaient d'une mission importante de protection. C'est tout ce que je voulais entendre. Attention, ça... Un petit drone, les petits frères. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc là, faut aller tabasser des régulateurs. C'est fou, ça, quand même. Beffroi, apparemment, Moreno a demandé à la mafia de la protéger et ils ont refusé. Elle a peut-être demandé aux régulateurs. Bon boulot. J'espère qu'on va vite trouver Moreno. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est un peu abusé, ce que je fais là, à l'écran? Hop, 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 hop. Du coup, ça veut dire quoi? Effectivement, est-ce que je dois aller retourner là-bas? Parce que, de ce que j'ai compris, chaque zone de la ville, c'est pour un gang différent. Là où on était, c'est la mafia. Là, juste avant, c'est les parias. Et là, c'est les régulateurs. Mais c'est moi, je vais les réguler, les règles. Je sais pas pour vous, mais je me suis dit qu'il était temps que Red Hood entre en jeu quand même. Ah, waouh. En tout cas, moi, j'aime bien. Et si t'as envie de constater ce que ça donne avec lui, les déplacements, eh ben, je te jure que c'est extrêmement fort. Alors, malgré tout, je pense que ça reste le plus lent comme ça. Bah oui, parce que, bon, entre Batgirl, là, qui devient Superman avec les mods, là, et c'est tout, en fait. Hein, parce que les autres, pour l'instant, je vous ai pas montré. C'est quoi, gueule d'argile? Oh non, pas gueule d'argile, frérot, s'il te plaît. Ah waouh, laisse-moi partir d'ici, s'il te plaît, j'en ai marre de gueule d'argile. Partout où je vais, je le rencontre. Et pour, à un moment, j'avais un bug, je voyais que gueule d'argile. Oh non. Non, mais non, pas gueule d'argile. Non, non, mais s'il te plaît, je t'en supplie pas lui, encore une fois, je vais tout casser, frère. Oh non, pas un immeuble, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là, si c'est encore lui, frère, je pète un peu. C'est lui. Oh là, c'est toi, gueule d'argile. Oh non, t'as vu? C'est le retour de ce bug. Putain, c'est pas vrai. Ok, là, ça m'a l'air d'être une couleur différente. Donc normalement, c'est pas gueule d'argile. Normalement, c'est des régulateurs. Mais non, c'est... Bon, ramène-toi ici. Mais c'est pas la mafia de merde, ça? Dirais que c'est de ta faute. Bon, les méchants, j'ai les rafales, you know. Ah, waouh. J'aime bien cette tenue. Hop, 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 hop. Vous êtes vraiment trop cons, les frères. Oh, mais frère, j'ai fait ça et je l'ai raté. C'est pas possible, quand même, d'être comme ça. Bon, et si je faisais comme ça? Bon, d'accord. Attends, mais... Ah oui, il faut que je les interroge. Attends. Putain, je suis trop fort, en fait. Oh là là. Attends, mais du coup, ça veut dire que j'ai dit de la merde tout à l'heure. Je pensais que chaque endroit de la ville... Il avait un gang. Parce que vu ce que je croisais, ça paraissait cohérent. Mais là, c'est totalement incohérent. Oh, c'est beau ce que j'ai fait. Mais ouais. Oh non, tous les trucs. Tu vois tous les trucs rouges là ou je sais pas quoi? C'est gueule d'argile. J'ai juré, c'est gueule d'argile. Moi, il me faut un truc blanc quoi. Les régulateurs, je sais pas où les trouver. Normalement, c'est ici. Enfin bref, si je les trouve, t'inquiète. N'empêche, c'est un plaisir que. Tu vois, les gens qui kiffent vraiment des jeux, c'est ceux qui vont. Améliorer l'expérience du jeu, tu vois ce que je veux dire? Et de se dire que des fois, un an, des fois même bien plus tard, tu vois, par exemple, pour Batman Arkham Knight, par exemple, ben maintenant, tu peux changer complètement les costumes. C'est fou, ça. Ça veut dire, tu ajoutes des costumes, frère, qui... Vas-y, d'autres jeux, tu vois, ou pas. Et ça, c'est vraiment bien.
C'est vraiment, vraiment bien de se dire les communautés, frère. Oh non, c'est la mafia. Mais frérot, je cherche des régulateurs, s'il te plaît. Je m'en fous. Ah, j'ai rien dit. Hop. Batman se foutait les jetons. Mais putain, je les ai éclatés. Doucement. Toi là, un coup de poing. Voilà. Ensuite, je t'interroge. Il veut pas parler. Il voulait pas parler. Toi, tu veux parler? Ah, toi, tu parles, hein. Tu vas me dire où je peux trouver la juge Moreno. C'est accueilli, hein. Bon, on peut faire pour la protéger. Mais je connais pas les détails. Merci pour le tuyau. Non, ouais, c'est une manière de remercier ça. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais froid, les régulateurs disent qu'ils ont vendu du matos de sécurité aux parias. Mais c'est tout. C'est tout. Ça pourrait être une piste. Tiens-nous au courant si tu trouves quelque chose. Comment on fait pour péter un truc? Parce qu'avant, il y avait un truc pour péter. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Ah, voilà, tiens, capté. En fait, les effets, ils sont fous. Mais attends, je vais vous faire une suggestion. Est-ce qu'honnêtement, tu crois pas que s'ils avaient mis le jour dans le jeu, ça aurait pas été mieux? Non? Tu crois pas? Parce que je te jure, j'y réfléchis longuement, tu vois. Parce que des fois, quand je galère à dormir, forcément, je réfléchis. Et je commence à réfléchir à tout et n'importe quoi. Je me suis dit, Gotham Knights... Est-ce que s'ils avaient fait ça, genre, aussi durant la journée, est-ce que ça aurait pas offert un peu plus de variété? Ou bien, genre, avant l'aube. Tu vois ce que je veux dire? Juste avant l'aube. Tu vois, ça a du sens. C'est la fin de la nuit. Avant l'aube. T'as capté? Au moins, ça offre une autre skybox un peu plus lumineuse. Parce que je me dis que ce soit pour les développeurs ou les gens qui passent des heures sur le jeu, ça paraît un peu... Ben, c'est démoralisant un peu la nuit tout le temps. C'est comme tout le temps la grisaille. En plus, tout le temps, il pleut dans le jeu, tu vois. Enfin... assez souvent. Des fois, il neige, je crois. Mais bref, c'était juste une suggestion. Mais... ah, maintenant, je dois faire les parias, mais ils se foutent de... Non, mais c'est pas possible. C'est une dinguerie, ça. Ça veut dire que je dois aller chez les parias. Les parias, généralement, je les trouve en haut, non? Vas-y, on fait un pari. Je les trouve ici. Si je les trouve là, vous mettez un like. Si je les trouve pas là... Eh bah, rien du tout. Bah oui, hein, qu'est-ce que je te dis? Ah, 4090, il avait un planeur, 4090, ah waouh. 4090 ou la Babivier? Babivier ou la 4090? Babivier ou la 4090? Des parias? Ah waouh, c'est des parias. C'est fou de parler comme ça, frère. Oh merde. Attends. J'ai envie de faire ça et normalement... Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends. J'ai envie de la balancer. Comment on fait? Ah ouais. Attends, y a pas encore quelqu'un? Merde. Et j'ai un meurtre sur les mains. Attends, là, si je dis... Elle est là? Ostorf. Alors, peut-être que Batman ne tuait pas. Mais Red Hood, il s'en bat les clés, oui. Hein. C'est une dinguerie. Bon, bah, on... Je vais appeler les secours. Mais même les secours, ils vont avoir besoin de secours sur ce cas, hein, vraiment. Après, pour ma défense, en même temps, qu'est-ce qu'il foutait sur un toit, frère? Non, mais vraiment. Ah oui, ça, devant un tribunal, tu dis « Ouais, mais ils étaient sur un toit. » Après, ils vont dire « Ah, j'avoue, qu'est-ce qu'ils foutaient sur le toit, là-bas » Tombe toujours sur les emmerdes. Attention, doucement. J'ai pas envie de le tuer. Travaille-le. Non, mais là-bas. Oh, c'est cool ce qu'il a fait, c'est cool. On dirait pas que je les ensorcelle. En fait, ça les brûle. Ah ouais, parle. Alors là, il veut pas parler. Oh, ça le brûle, vraiment, c'est horrible. Oh, wow. Oh wow. Le flic, il est en train d'agoniser, M'skin. T'inquiète, je vais la faire souffrir. Allez, travaille-la suffisamment pour qu'elle parle. Écoute, je vais faire très simple. Wesh, on dirait j'interroge le flic. Qu'est-ce que tu sais au sujet d'Elina Moreno? Tu sais, la juge. Tu sais. Ah ouais, il paraît que tout ce qu'on a à faire, c'est la protéger des types au masque de Piaf. Fastoche. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est Red Hood. Yes, mais quoi,
Moreno payait les parias pour la protéger. Ouais. Je me dirige sur sa position. Ouais. Ça me surprend pas. Fais bien attention. Ouais. Attends, attends, deux secondes. Comment je fais une pause Zerma de héros? J'ai appelé des renforts. Allez-vous-en avant qu'ils arrivent. Ouais, c'est pas une pause de héros, c'est une danse goofy ça. C'est quoi ça, frère? Oh non, il a dab. Oh non. Non, pourquoi il a dab? Merde. Sauver la juge Moreno. La juge Moreno se cache avec l'aide des parias. Trouver sa dernière position connue. Bon, je sais pas pour vous, moi j'aime bien. Je sais pas parce que. Bah, déjà, Gotham. La taille de la ville. Les graphismes. Le gameplay, surtout le gameplay amélioré. Vraiment. Les cheats. Dis pas c'est des méchants. Oh non. Y'a quelqu'un ici? Ouais, y'a quelqu'un, effectivement, frérot. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais. Ça va te plaire, tu vas voir. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, on y va. Wesh, il est vénère. Attends, y'a un truc normalement. Ah, voilà. Attends, attends, laisse-moi y foncer dedans. Les pas qui veulent se faire mal. Ah, waouh. Wesh, Hayawan. Le Hayawan. Ah, moi, je suis un Hayawan. Je suis un grand Hayawan. Ouais. Normalement, tu fais ça. Un idiot pense toujours qu'il a une bon. Chance. C'était cool, mais j'ai mal visé en fait, tu vois. Bouffe ça. Ah wow. Attends un peu. Ridicule. Prépare-toi. C'est bien ça. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et c'est quoi le truc qui explose déjà? Non, c'est pas ça. D'accord, c'est pas grave. Encore? Ouais, je suis... Hayawan! Allez, tous sous abri. Hayawan! Mais ouais, je vais pas mourir, lui. Un cadeau pour toi. Un cadeau? Ouais, apparemment, il... Mais ouais, ils sont pas les steaks. Comment ça se fait? Il s'en bat les steaks. Non mais là, je suis choqué. Vas-y, mets-lui un... Mais c'est un sac à PV. Ça veut dire le Kemei, il a décidé... Ah, voilà. Tu pouvais pas sortir plus tôt, toi? Non, j'avais peur parce que les légions, ils étaient là, ils voulaient me taper. Oui, c'est vrai. En vrai, t'as bien fait. T'as bien fait parce que sinon, ils t'auraient bouffé, hein. Alors, maintenant, c'est quand que tu dis merci? Vous allez bien? Vous allez bien. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Ils ont tué mon frère. Pauvre Alex. Tout ça parce qu'il n'a pas arrêté les travaux au tunnel de Chelsea. Mais la cour aime pas trop quand les gens lui disent non. Bon sang, elle existe. La cour n'aime pas courir après les gens. Vous pouvez nous aider à l'éliminer. J'ai un mandat d'arrêt au nom de son chef. Je vais le signer. Pas question de laisser ces gens terroriser la ville. Voilà, enfin, juste qu'il vous signe. Ravi de voir qu'on se comprend. Je demande à quelqu'un de vous récupérer. Quelqu'un est déjà en route. Je savais que les parias ne feraient pas le poids. Alors j'ai appelé une amie. Une amie. Et bonne chance, Radley. Merci. J'ai désarticulé les gens à côté, vraiment. Là, je te raconte même pas. Elle a aussi signé le mandat d'arrêt. Je commençais à m'inquiéter. On va conduire Moreno en sécurité. Sans connaissance. Ben là, tu m'étonnes, vraiment. Faut qu'il aille. Décédé? Comment ça, décédé? D-Wall. Attends, c'est moi qui a fait ça? Attends. Non, sans connaissance, bah je tue pas les gens, moi, quand même. Sans connaissance. Bah, voilà, non, moi, j'ai pas décédé des gens, moi, quand même. Hein? Ah, agent de sécurité. Ah, t'as vu? Pour ma défense. Oh. Y'a quelqu'un? Salut. Non, mais non, tranquille. Je me taille, les frères. Ça, j'aime bien ça, parce que c'est vrai que des fois, ils te disent « Il faut que je m'éclipse. Il faut que je dégage, parce qu'après, vraiment... » Forcément, les frères, on retourne au beffroi à un moment donné. Wow, parce que là, on a fait vraiment une nouvelle masterclass. Si on pouvait jouer avec Nightwing après, ce serait pas trop mal. Mais c'est cool. Là, je pensais qu'on allait faire une mission genre indien. Est-ce que le bandeau est vraiment nécessaire? À l'intérieur, mais là, c'est pas le cas. Non, plus maintenant. On était à l'extérieur, c'était bien.
Parce que des fois, quand t'es à l'intérieur, ça c'est étouffant un petit peu. Donc là, tu te balades un peu dans la ville, you don't know, je crois. Regardez-moi cet endroit. Now you know. Attendez. Barbara? Mais qu'est-ce que vous faites là? René, ravi que vous soyez là. Bienvenue dans le beffroi. Il fait froid. Vous êtes Batgirl. Votre père le savait? Si c'était le cas, il n'a rien dit. Vous savez maintenant, si vous voulez nous aider à faire tomber Jacob Kane, on doit se faire confiance. Dick Grayson, j'imagine que vous êtes Nightwing. Big. Ça se voit tant que ça? Big. Faudrait être aveugle. C'est pas comme si tu déguisais ta voix. Robin. Je vous ai jamais vu sans votre costume. En fait, on s'est croisés. Genre 5 fois, peut-être. Ah oui. Tim Drake, c'est ça? Ça y est, on a déballé nos petits secrets. Oh, vous êtes Tim Drake ou Tim Kanye, t'as capté? Jason Todd. On dirait que les morts sont parmi nous. On me le dit souvent. Vous avez ce qu'on voulait? La juge a signé un mandat d'arrêt au nom de Jacob Kane. Complicité dans la mort de Langstrom. Avec un dossier très solide. Si vous délogez Jacob Kane de sa planque, je peux demander à tous les flics honnêtes de la ville de l'attendre à sa porte. Mais ce sera pas facile. Ce bâtiment est une sorte de bunker. Oh, on sait. La façade est blindée, il y a des canons anti-aériens sur le toit. Et c'est pour ça qu'on a des drones. J'imagine que vous n'avez pas de permis pour ça. Vous imaginez bien, en effet. Je dois vous dire, Pennyworth, j'espérais que vous étiez Batman et que vous aviez pris votre retraite. Bien que cela me flatte, la vérité est malheureusement plus triste. Ouais. Maintenant, je suis un babysitter. Regarde. Je garde 4 gosses. Vous m'envoyez désolé. Bah... Bon. Et ce plan, alors? Ah oui, le plan. Ça va vous plaire. Tout d'abord, vous allez rejoindre le point de rendez-vous en vue de notre cible, Kane Industries. Ok, mais quand elle disait vous m'envoyez désolé, est-ce qu'on l'a envoyé genre DHL ou bien... Tiens, capté ou tiens pas capté? Oh, mais c'est bizarre, pourquoi il y a autant de ressources là? Je suis pas du genre à faire ça, moi, les frères. Vraiment? C'est une dinguerie. Nightwing, avec la petite mèche qui bouge. Putain, ça rajoute quelque chose. Ah ouais. Mm-hmm. Tu vois? Là, il fait jour dehors, mais là, c'est trop, j'avoue. Mais vas-y, comme j'ai dit, l'aube. Comme ça, ça conserve l'aspect visuel, tu vois ou pas? L'aspect visuel des... Ben des... Oh non, faut que j'aille inspecter le drone, c'est quoi ça? Bref, et ça conserve, parce que tu t'as capté, Gotham Knight, c'est vraiment fait avec, tu vois, les effets visuels. Ça brille la nuit, ça fait des bails. Quitter le beffroi, oh non, non, mais quoi? Non, mais j'ai bien l'impression que c'est ça, hein. Ah ouais. Ah ouais, mission en intérieur. Hein. On est prêt? Tu me fais mal au crâne un peu là. C'est quoi ça? Alors, il était très classe. Le CPD est en place. Mais il flottait un peu, oui, vite fait, non? Chaque étage de Kane Industries est protégé par un blindage breveté. Vous allez devoir escalader le bâtiment. Attends, j'ai bien envie de voir. On va enfin s'amuser. Escalader, de quoi tu me parles, escalader? Il est fou lui ou quoi? C'est dommage, du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer un peu comment ça se passe quand il se déplace. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Wesh, aïe, 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 ouais, par contre, on sort trop après. Un peu complicado. Est-ce que je casse la mission là si je grimpe direct comme ça? Ça me dit rendez-vous sur le toit, d'accord? Il n'y a aucun souci. Salut! Ouais, mais par contre, comment on fait là? Voilà, merci.
Ah ouais. Ah, c'est des méchants méchants. Hors de question qu'on manque de respect à la police. Ta gueule, la police. Oh, c'est magnifique ça. J'adore les effets, frérot. Et c'est parti pour le breakdance. Et c'est parti, tout le monde est mort. Ah ouais. Faudra que je personnalise un peu à mon goût la tenue, mais j'avoue, pour l'instant, elle est très très carrée. Parce que j'ai chopé une sauvegarde, les frères, juste après là où on était avec Enara. Sauf que les persos, ils sont améliorés, tout ça, tu vois. Bon, c'est pas plus mal une... La vache. Installer des armes anti-aériennes sur son toit. Mission en intérieur. Le bunker est protégé par le même blindage qu'à l'extérieur. Seule la technologie de Kane pourrait le percer. Ça m'a Il vous faut une découpeuse laser. Kane en a une dans la zone de stockage des munitions. Ok. J'avoue, en fait, quand tu te rends compte, son masque, là... il est à moitié... voilà, là il est pas très anonyme, frère. Frère, c'est quoi ça? Là, c'est bien. Là, c'est peut-être un peu trop. Mais c'est quand même stylé. Les personnalisations dans le jeu sont vraiment incroyables, en vrai. En vrai, j'ai mis celle-là aussi. Je trouve ça pète, quand même. Ah, vas-y, on va garder un peu. Même si, j'avoue, c'est un peu extravagant, you know. Mais il est toujours propre sur lui. C'est dinguerie, frère. Dégradé de fou. Bon, c'est par où qu'on passe. Panneau électrique. Effectivement. Faire. Okay. Ah, j'avais le même en jouet quand j'étais gosse. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD847. Oh waouh, ça parle. Attention, ce prototype est à usage unique. Donc on a une seule chance. Ça fout pas la pression. Mais ça va pas, wesh. Par contre, j'ai un petit peu le seum que dans cette save. Malheureusement. Maintenant que vous avez le laser, vous devez trouver comment. Il y a pas la palette de couleurs noire et jaune. Prends la carte d'accès de quelqu'un. Qui rend trop bien sur les costumes. Biométrique. Salut les frères, ça va ou quoi? Quelle précision. Mais quoi? Comme d'hab. Ah waouh. OK, je vais faire feu. J'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait. Il est pas mort, lui. C'est une dinguerie. C'est très efficace comment il se bat, c'est grave. Bon, pour l'instant, je suis pas encore situé au niveau des trucs, les touches et tout ça. En tout cas, je parle avec lui, quoi. C'est quoi, ça? C'est ce que je cherchais. On peut pas réécrire tes données sur la carte si tu l'amènes pas au poste de sécurité. Bon, bah, on va voir ce poste de sécurité, mon ref. Parfait, je vais chercher. Qu'est-ce que vous cachez ici, Jacob? Ouais, ça va pas de faire des bruits comme ça? La sécurité est toujours aussi intense? Les choses ne sont pas vraiment mieux. Les escaliers font mal au crâne un peu là. Comment il avait fait tout à l'heure? Wesh. C'est dingue ça. Maintenant on joue plus. Wesh. Mais c'est dingue ça. Nightwing est juste ici. Effectivement. Allez, on y va. Allez, encerclez-le. Il est vraiment con, hein. Il y a la peu. Oh, c'est fou ça. Dégagez. Je vais te faire mitrailler. Bam 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 bam. Il est rapide. Où est-ce que tu vas? On va éviter, hein. C'est bon? Il faisait quoi l'autre? Utilise un réseau de caméras à détecteur de mouvement. Il serait judicieux d'éviter toute détection. Sinon, il faut trouver la console de sécurité pour réinitialiser le système. Oula. Ah, mais ça va. Ah, c'était juste la porte de là-bas. C'est balistique. On va flipper. Selon les plans, l'ascenseur privé pour son bunker devrait être par là. C'est stylé quand même, hein. Elle est bizarre, cette pièce. Elle devrait pas être plus grande. Est-ce
je crois que si. Risque d'être difficile à entendre, mais il faut que tu comprennes. J'espère que tu m'écouteras. Quand j'ai demandé la main de Catherine, je croyais que ce n'était qu'un accord commercial de plus. Mais c'était le meilleur arrangement professionnel et personnel que je pouvais espérer. Sa famille était dans la sécurité privée, j'étais dans l'armement. Elle était célibataire et je venais de divorcer. Notre union était un mariage de raison. Enfin, je le croyais. Mais Catherine ne manque pas de ressources. D'accord. Elle est solide, futée et ne supporterait pas d'avoir un mari médiocre. Elle me pousse sans cesse à me surpasser et je soutiens ses démarches à 100%. Mm-hmm. Ensemble, rien ne nous arrête. D'accord. Ta mère m'en voulait de ne pas partager certaines choses avec elle. Elle Mais l'ascenseur, c'est pas ça. Pour le supporter. Catherine, en revanche, ne pose aucune question dont elle redoute la réponse. On tient divers objectifs. Nous avançons main dans la main, tout en tenant l'ennemi à distance. C'est idéal, pour ainsi dire. Nous aimerions que tu comprennes ce que nous apprécions l'un chez l'autre. Je suis resté à écouter, il me raconte sa vie, frère. Je pensais que c'était intéressant, alors en vrai, il me raconte, bah, forcément des raisons. Tu veux dire, après, il raconte sa vie, ok, d'accord, ok. Et il s'est marié avec sa meuf, ok, tant mieux, c'est un truc d'intérêt, bah, on s'en bat les steaks. Voilà. Énigme du mur. Il semble s'agir d'un casse-tête similaire au Sudoku, où une rangée ou une colonne ne peut contenir deux fois le même symbole. Là, mais je peux jouer là ou... Eh, hey, ça me dit quelque chose. Oh non. C'est un Sudoku ? Oh, mais j'adore le Sudoku. Chaque symbole ne peut apparaître qu'une fois par rangée, colonne et carré. Ça me manque d'en faire. Mm-hmm. En vrai, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps en fait. Hein. Donc là, par exemple, je crois que cette rangée, ça va. Mais je crois que ça doit faire comme ça et comme ça. Non ? C'est pas ça, non. Mais ça, là, c'est pas bon, par exemple. Ouais, là, ça devrait le faire. Et là, ça le fait pas, parce que tout en haut, c'est comme ça. Donc, on devrait changer ça encore. Ouais. Là, je dois changer, je crois, non. Et après, on est peut-être bon, je crois. Enfin, je crois. Ah, c'est celle-là, en haut, qui casse la tête. Voilà. Ce genre de truc, normalement, je prends beaucoup de temps. Là, ça va, j'ai passé quoi, 45 minutes, ça va. Et voilà, j'ai trouvé la suite du bureau. 45 minutes, ça va, tu me dis c'est si j'ai un peu abusé. Ce qu'on appelle une collection privée. Voilà, papap. Pipapapapap. Des ressources comme si on n'en avait pas assez, bon, vraiment. Ça manque de ressources. Alors, Napoléon Bonaparte... Un tableau louche, hein. il est louche un peu ton tableau, hein. Avec un mécanisme un peu louche aussi. Hein. Ouais, ouais, genre de bas où il faut... Ah, étrange, tout est étrange. Hein. Bizarre. Bizarre. Ce globe est relié au tableau. J'ai envie de dire subhanallah. Et maintenant ? Ah, c'est ça l'ascenseur. Ce type adore les classiques. Il aime bien les classiques aussi. C'est blindé. Rien ne peut traverser sauf la technologie de Kane. Sauf un gros canon, tu veux dire, hein? That's a big cannon, man. Très vieux canon qui semble toujours en état de marche. Intéressant tout ça. On peut mettre la perceuse. Allez, le laser, on se met au boulot. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD847. Je t'ai pas demandé de te présenter. Ah, je sais qui tu es, mais comment tu peux découper? Découpage. Oh, c'est hyper bruyant. On peut baisser le volume ? Négatif. Ah non ! Alors là, non ! Attention. Je suis pas content ! Les gens qui viennent nous déranger alors qu'on essaie de travailler ici, je trouve ça vraiment très osé. Plus rien ne m'arrête. Ah, waouh ! Vas-y, rejoins-moi ici. Voilà le chmier. Mi baram bam 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 bam. Vous êtes dans ma zone, les frères. Vous êtes bêtes ou quoi? Mange ça.
Toi, mange ça. C'est impossible. Mais wesh, il s'est mis quoi, lui? Il a pété. Oh là, il a pété, le chien. Je suis en train de sentir les haricots qu'il a mangés à midi. Tfou! Alors, il y a encore des gens. Oh là là. Agent de sécurité. Agent de sécurité de mes deux, ouais. J'ai dit, vous allez dormir. Vous allez encore dormir. Wesh, mais c'est pas assez. Mais c'est fou, ça, quand même. Je sais plus, je crois... Ah, je crois que j'ai mis en mode difficile, en fait, non? Parce que je me dis, si je spam des attaques comme ça, je vais les éclater rapidement. Du coup, il me semble que j'ai fait ça. En tout cas, je l'espère, non? Oh, ça, c'est fou, ça. Ça fait quoi? Ça fait comme une flashbang. Oh, c'est incroyable. Et ça, déjà, c'est quoi? Ah... J'aime bien ce truc-là qui l'accélère aussi, je te jure. Robin, il a pareil. Attention les yeux. Ah mais attends, elle est bloquée là ou quoi? Pourquoi elle a 42? Oh là là. Elle avait bugué, frère, je me disais. Il y a encore des gens? Aïe aïe aïe. Arrêtez Kid Sauveur. Laissez-moi partir les rails, j'ai fini. Oh non, me dis pas que je peux pas faire. Oh là là, ça c'est oppressant. J'aime pas ça. Toi, t'es sur le point de partir. Et ils te disent, ah ben non en fait. Toi, tu vas y passer. Ouais, you brought it on yourself. C'est toi qui l'as voulu. Eh ben oui. A lot of breakdance in here, hein. C'est quoi votre attaque préférée de lui? Entre tout ce que vous voyez là. Wesh. Ça j'aime beaucoup. Tu veux vraiment faire ça? Ta gueule. Non, il m'a pas touché les frères. Mais pourquoi? Mais frère, comment ils font pour éviter? C'est pas possible ça. Non mais là je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi le niveau de difficulté. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Ah, ça me rassure, c'était en mode difficile. Et à mode très difficile? Ah non, c'est mode difficile seulement. Ok, ok, ok. Bon. On a réussi à suivre Kane jusqu'à l'ascenseur. Oh, je préfère. Une fois là-dedans, dépêche-toi. C'est ici que notre plan prend fin. C'est le moment d'improviser. Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui nous attend en bas? Notre seule certitude, c'est que l'ascenseur mène à un bunker sous le bâtiment. Donc, on se débrouille seul. Cool. J'aurais bien voulu changer de perso. Genre, mettre Robin en cours de route. Mais je crois que ça nous ferait quitter la mission complètement. Hein. Ouais, ouais, dans tes que toi, Robin, c'est possible. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qu'ils vont régler, hein. Dans le Suicide Squad, on pourra changer à tout moment. Brèche de sécurité dans l'ascenseur. Renfort déployé des secteurs 5 à 7. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les escaliers de la mort? Oh non, ils m'ont entendu? On dirait une intrusion de justiciers. Personne ben non. Non autorisé. Y'a pas, y'a pas. Avant qu'il chope le colonel Kane. Non, vous m'avez pas vu. Oh là là. C'est relou ça un peu. Regarde. It's a little relou quand même, hein, vraiment. C'est quoi ce truc? Bref, sécurité de mes deux, ouais. Alors allons-y. Let's go. Hey, well. Here we go again. Encore une fois, bah, faut, j'ai envie de dire. C'était fou, ça, hein. Je te mets un shotgun in your face. C'est de guerre, ici. C'est bon, je les ai éclatés. Kane doit causer de sacrés problèmes. Alors... Attends, j'ai envie de vérifier. Est-ce qu'ils sont décédés, certains, ou pas? Je pense pas, non. Sans connaissance, parce que je vérifie un peu. Sans connaissance. Non, ça va juste défoncer, quoi. J'ai déglingué sa mère, mais pas de... T'as capté, bref. Vraiment pareil que pour les ergots. Peut-être que les meilleurs sont promus. En fait, j'ai augmenté la vitesse d'attaque.
Et ça donne des trucs vraiment pas mal. En fait, ça augmente la vitesse de nous. Salut. Pam pam piparapapa. C'est pas mal, ça rend ça bien plus dynamique. C'est fou ça. Je sais pas si ça augmente la vitesse de ça par exemple. I don't know. En tout cas, je sais qu'avec Batgirl, ça faisait des. Ça faisait des bugs quand même. Hein. Est-ce que ça va me tirer dessus cette merde quand même? Je sais pas trop. Peut-être, parce qu'il y a des lasers quand même là, des lasers, ma petite gueule. Ah waouh. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire là? Faut désactiver ça. C'est bon. Ensuite. Je suppose qu'on descend. Activer le funiculaire. Hop 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 hop. Fait froid. Je peux pas passer par ce funiculaire. Quelqu'un pourrait le pirater? Vous me trouvez une issue? Je vois tout un tas de boutons. Il y en a un marqué funiculaire. Merci mon petit ref. Hop 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 hop. Bien joué, ça marche. Hop hop hop. Pourquoi il a répondu en retard, frère? À tout le personnel hop, de sécurité, hop, hop. Des intrus se sont introduits dans les niveaux inférieurs. Non. Arrêtez-vous. Ce sont des justiciers. Ce sont un justicier. Wesh. Regarde comment je suis rapide, frérot. Je suis trop rapide pour vous, incroyable. Voilà. Attention, on a de la compagnie. Ouais, on a de la compagnie. Salut la compagnie. Ah waouh. Plutôt. Ah waouh. À tout le personnel, fin d'alerte. La menace est sous contrôle. Reprenez vos patrouilles. Ça, j'en doute. La menace fantôme. Et des ergots. Trop vite. Super. On va y passer. Je suis trop rapide pour vous les frères. Pap, 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 pap. Encore si j'arrive à les avoir, hein, parce que eux là. Oh là là, faudrait vraiment que je les vise. Ça serait pas mal. Au bout d'un moment, ils commencent à me casser la tête, hein, you know. Regarde ça. Ouais, mais ça, ça sert à rien. Oh là 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 là. Du gaspillage de ressources, j'appelle ça, frère. Ah, il est encore là, lui. De la peine en vrai ces ergots, c'est des morts vivants qu'ils ont re-ramenés, frérot, enfin des morts et ils les ont re-ramenés. Starfall là. Allez, on y va. Tu veux danser avec moi mon frère? Viens danser avec moi. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Laissez-moi tabasser en liberté. Tout l'été. Je l'ai éclaté. Décédé ou pas? Sans connaissance. Sans connaissance. Sans connaissance. Sans connaissance. Mais wesh, on descend depuis longtemps là, frère. Wesh. Depuis, je descends et je les descends. Oh non, encore! Comité d'accueil! Ça, c'est un peu embêtant. C'est bon! Ah ouais. J'ai juste entendu des ergots. Ouais, s'il nous envoie des ergots, c'est qu'on est sur ses traces. S'il est désespéré, il est encore plus dangereux. Aïe, 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 aïe. Ce vieillard. Encore des combats? Et des combats? J'espère pas, quand même. Oh lolo. Nightwing, tu es prêt à mourir? Oh non, ils m'ont vu, ça fait chier. Allez, allez. Je pensais vraiment que vous m'avez pas vu, parce que là, vraiment, hein, ouais. D'accord. Maintenant. Cette pièce contrôle le courant du bâtiment. Et ça fait beaucoup de courant. Et si on coupait le courant? Ça me bloquerait sûrement ici. Je dois trouver un autre moyen pour continuer. Super. Il y a un panneau, là. Hop, 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 hop. Ça ouvre une porte. Envoyez la suite, je vous en supplie. Un sacré caractère. Je trouve qu'on est assez resté à l'intérieur.
On a assez tabassé de monde. Ça y est, frère. Il faudrait être cinglé pour passer par là. Moins que... Quelqu'un est encore connecté au système ? Je suis prêt. Tu veux quoi ? C'est possible de faire un truc pour le réacteur ? Trouvé ! Mode diagnostic réacteur. Ouais, c'est bien ça. Lance-le. Ah bah ça arrange pas grand-chose. Hein. Wesh ! Ah, mais j'ai le godmode, j'ai oublié. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça, c'est des pets. Ça y est, frère, je suis habitué. Oh non, j'ai fait le tour. Mais ça, c'est bête, hein. Ah, c'était par là, en fait, j'avais pas vu. Mais froid. J'ai trouvé des trucs de la cour des hiboux. Je vais jeter un coup d'œil, histoire de savoir ce que fait Kane. Ça capte pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Sujet ergo. Je suis tout seul, encore. Corps d'un humain décédé récemment. Multiples traces de transfusion. Oh, c'est dégueu. C'est comme ça qu'ils créent les ergots, frère. Si, c'est les cadavres, frérot. L'énorme ablation du système nerveux a été provoquée par un choc neurogénique induit. Oh là là, ça c'est quoi ? Cercueil ? Storf. En vrai, c'est vraiment gore. Ce sont des ergots. Bah oui. Genre, on n'avait pas vraiment bien capté. On n'était pas sûr, hein. Tous ces efforts, c'est l'héritage de Gotham. Ben voilà. Ils n'ont donc rien compris. Des efforts de quoi, frérot ? Tu fais revivre des morts en soldats écervelés qui réfléchissent même pas. C'est con, ça. Il est popo. Ils ont pas entendu. À mon avis, ils ont rien entendu. Ils sont trop bêtes. Ils sont vraiment trop bêtes, c'est énorme. Oh non, il m'a vu, wesh. Ah, je te fais un flashbang in your face, hein. Hop là, wesh. Ah ouais, d'accord, on est en hauteur, du coup, ça passe pas. Mais c'est une dinguerie, ça, quand même. Voilà, j'arrive pas à le faire, peut-être parce que... Ah, voilà. Avant, ça voulait pas. C'est bizarre, hein. Il n'y avait pas de cible. Je n'en sais rien. Un petit cadeau pour toi. Ah, waouh. Ah, waouh, encore toi aussi. Tu n'es qu'une victime de plus. Ta gueule. Voilà. Si, j'ai fait, hein. Ah, super. J'ai fait les trucs sans rien. Ça capte pas, y'en a ben. Il n'y a plus de vous. Ici bas, rien n'entre ou ne sort sans que je l'ai décidé. Ah bon ? On me l'avait jamais faite, celle-là. Ça veut dire que je suis pile là où vous vouliez que je sois. Vous avez vu ça tout à l'heure ? Est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ou pas ? Ou bien est-ce qu'il faut faire autre chose ? Bien un autre truc de contrôle là-bas ? Ou pas ? Non ? Ça me dit scanner la porte blindée. Vas-y. C'est toujours le même blindage. J'avais encore ce laser parlant. Joe, il y a peut-être un truc qui pourrait ouvrir la porte. Peut-être ça. Ah, des commandes de grue. J'espère décrocher le chrono. Bah oui. Bah oui. Après, faut le contrôler, non ? Ça fait quoi, déplacer le laser vers la gauche ? Ma gauche ou sa gauche ? Là. Alors, ça va commencer à faire le laser ? Alors, déplacer le laser vers le bas. Erreur. Véhicule et système d'armes mal alignés. Veuillez faire pivoter le véhicule. Oh, tu as pris. Qui fait pivoter le véhicule ? Tu penses ça, encore ça ? Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Là, je devais venir ici. Ah. Et ensuite, normalement, il faut aller là-bas. D'armes non. Mal alignées. Veuillez faire pivoter le véhicule. Mais c'est bien aligné. Je suis bien en un seul morceau. Qu'est-ce que tu me racontes ? Peut-être que là, ça va être le bon sens. Ah ouais, j'ai capté. Là, c'est fou, hein. Ils font galérer en vérité, hein. Alors, là, normalement, ça devrait le faire. C'est pas une erreur, je vais tout casser. Bébé, pop, pop, pop.
système d'armes du véhicule. Je suis le meilleur. Du coup, ça va commencer ? Activer le laser. Oh oh ! Tu penses que ça va être ici ? Ça m'en a tout l'air. Super. Les commandes du laser. Système d'armes activé. Oui, j'ai pas envie de rater ça. Ah waouh, on dirait que je suis en train de braquer une banque. Ah, c'est pas vrai. Ah putain, pourtant je cours vite hein. Ça me dégoûte. Allez. Reviens ZB. Et j'ai tout évité, frère. Vous faites la même chose que Bruce. À tâtonner dans le noir, en vous imaginant protéger Gotham. Mais vous vous trompez, Gotham. La Ligue des Ombres est une bande de cinglés. Tu as la moitié de la ville pour la purifier. Alors quoi? Vous créez une armée pour affronter la Ligue? Pour sauver Gotham d'elle-même. Gotham a besoin de chasseurs. De nouveaux chevaliers. Ils s'épanouissent dans l'ombre, comme Bruce à l'époque. Comme vous maintenant. Et contrairement à vous, ils restent à leur place. T'as un trop stylé la tenue, j'aime bien. Ah bon? Là, j'aimerais vraiment la buter. Pour le coup. Je rebute un ergo. Allez, tu fais mourir une deuxième fois. Voilà. Voilà, je préfère. Voilà, papa, papa. Ah, mais je suis déjà rapide, frérot. Ça change quoi de faire ça? Non, mais c'est une dinguerie. Voilà. Et tiens, sa grammaire. Ah, waouh. Et encore une fois. Non? Maintenant, on joue plus. Oh là là. Breakdance! Rentre dans le cercle! Attention les yeux! J'ai dit rentre dans le cercle! Putain, ils veulent pas d'ail, hein! C'est fou ça! Hein. Non mais. J'en ai enfin éclaté une! Alors, et sans connaissance, j'ai trop de seum, frère! Vraiment. Heureusement que c'est pas... Il est temps de trouver Kane et d'en finir. Je fais pas ça en mode legit. Hein. En même temps, on est en mode difficile. Mais je joue en mode facile. Avec les cheats. T'as capté ou t'as capté? C'est un sous-marin ça ou c'est quoi? Ouais, sous-marin, c'est trop un truc de riche. Pas surprenant que vous ayez un sous-marin. Effectivement. Il est pas bien là, on dirait. Vous êtes pire qu'une plate. Un cafard. Je vous laisse une chance. La gâchez pas. C'est-à-dire? Vous savez, ça me tente. Mais je viens de me faire les ongles. Je vous ai laissé une chance à l'Orchard. Mais vous avez échoué, comme avec Bruce. Il est mort après que vous l'ayez abandonné. Voilà ce qu'on fait aux gens qui parlent mal. Gotham ne croira pas que la cour existe. Encore moins que j'en suis la voix. Les gens ont juste besoin de croire que vous avez tué Langstrom. Et quand bien même, hein? Où est le journaliste qui en parlera? Ou l'agent qui m'arrêtera? Sans parler d'un juge pour me condamner. C'est votre jour de chance. Ils attendent tous devant votre porte. Ma femme est toujours commissaire. Je serai dehors en un clin d'œil. Putain, mais en vrai, est-ce qu'il a menti, wesh? C'est-à-dire, tu fais tout ça pour qu'au final... Problemos.
Montoya, j'ai votre suspect. Il était comme ça quand je l'ai trouvé. On travaille avec des justiciers. Catherine va vous retirer votre plaque pour ça. Ça vaut le coup si ça peut vous envoyer en tôle. Et toc. Tu croyais quoi? Que genre t'allais m'intimider? Zarma, moi je suis pas intimidable. En tout cas pas comme ça, t'as capté. I plead the fifth. Ça veut dire va fermer sa gueule. Il préfère pas parler sans la présence de son avocat. Pourquoi on dirait va se passer une dinguerie. Est-il vrai que vous avez comploté l'assassinat de Kirk Langstrom? Mais ouvrez les yeux! La police corrompue conspire avec des justiciers pour se débarrasser de moi. C'est qui elle? C'est Catherine? Oh non. Someone is getting assassinated. Vous avez de gros ennuis. Catherine! Dis que je suis innocent. Arrête un peu, petit bobard, Jacob. Ne dis pas un mot de plus. Oh non. Jacob! Forcément, s'il allait en tôle et qu'il allait y rester, quelqu'un allait parler. Mais ça, c'est la meuf, là. Vas-y, c'est grillé de fou. C'est la meuf. Comment elle s'appelle, là? De la Ligue des Ombres. Espèce d'imbécile. C'est pas Talia? Il faut qu'on fasse évacuer ces gens. Trouver qui a fait ça. Et chercher partout. Inspecter les toits. Allez. Je sais pas. Pour moi, c'est Talia. Parce que... qui c'est qui fait des trucs Zarma dans l'ombre avec un arc comme ça fantomatique? Voilà, Zébé. Talia. Avec son foulard Louis Vuitton là, c'est bon. Tu crois on t'a pas vu ou tu es bête ou? Talia nous a trahis et elle a tué Jacob. Elle s'est enfuie mais je la poursuis. Faut que tu la rattrapes. Ouais, bah oui, je suis là. Salut. Je me déplace peut-être un peu trop vite, même. Donc je vais essayer d'y aller assez doucement. Je vais pas la brusquer, tiens, capté. Ah, waouh. Oup là. C'est fou, ça. Elle va vite. Je suis toujours après elle. Suivez-la. Il n'y a pas tant de toi que ça. Ouais, mais bon, de toute façon, c'est tranquille, hein. Fais quoi, là? Avec ta poudre de perlimpinpin, là. C'est quoi que t'essayes de faire? Zama, tu m'impressionnes. Hop, 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 hop. Attention, pas trop non plus. Mais traduisez ça en arabe. Et puis pourquoi ils font genre... Mais... Après, j'avoue, j'ai pas tout compris. Hein. J'ai entendu Warty. Peut-être que tu me fais perdre mon temps, ça veut dire. Hop, 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 hop. Ouais, je suis juste là. Hein. Oh là 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 là. I'm gonna break the game. Je pense vraiment que je vais casser le jeu. Oh là. Très rapide quand même. Hein. Allez. Mais ça nous fait une petite balade de la ville, c'est sympa. Alors, c'est bon, tu veux parler maintenant? Oh non. Habes ou Ahmed? Habes, pour moi, ça veut dire stop. Toi, tu vas y passer. Aïe, aïe, aïe. En vrai, j'aurais bien voulu être en truc, là. Comment ça s'appelle? Du Robin, là. Ça aurait été pas mal, quand même. Hop, 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 hop. Je sais où elle va, Beffroi. Elle se dirige vers la tour Wayne. Ah, bien vu, mon ref. Est-ce que tu penses que tu pourras faire ça? Ouais. Ah, waouh. La cour allait être dévoilée, Talia. C'était la fin. Mais tu as tué Jacob Kane. Mais tu as tout gâché. Non. Jacob nous McCain. L'avons assassiné. La Ligue des Ombres te remercie pour ta collaboration. Bruce n'a jamais été aussi utile.
Tu n'as pas changé. Tu étais encore impliqué avec la Ligue. Depuis quand tu planifiais ça? C'était pas assez obvious, hein. Des décennies. Mon père n'avait pas une vision aussi claire que la mienne. Et sans lui, la Ligue pourra pleinement s'accomplir. Pourquoi tu n'as pas tué ton père? Tu aurais gagné du temps. Ouais. J'en avais pas besoin. Ouais. Et maintenant, Talia, on se serre la main et c'est retour à Nanda Parbat? Hein? Leur char d'hôtel n'était qu'un début. Notre action à Gotham servira à la fois de phare et d'avertissement pour la suite. Dans un déluge de sang, nous éliminerons la corruption de cette ville et bien au-delà. J'ai deux choses à te dire. Un, c'est vraiment cliché. Deux, tu peux oublier tous tes projets. Alors ne perdons pas de temps. Je t'épargnais uniquement pour me servir de toi. Cela dit, tu as privé mon bien-aimé de son heure de gloire. J'étais là après ton départ, Talia. Il savait ce que tu étais. Il t'a vu et il t'a détesté. Même Bruce te l'aurait dit. Rien ne peut arrêter la destruction en marche. Adieu. Adios, amigos. Oh, merde. Et quand je dis amigos, c'est pas le groupe de rap. T'as gardé ou bof? Bon là, j'ai changé, j'ai pris Robin. Alors. L'arcano, mais... Je crois que c'est du chelem. Mais c'est du berbère. Je rigole même pas les raies, je suis en train de... Je suis en train de douter, je me dis c'est peut-être du berbère. Bleu de belles choses. Je suis invisible. Je t'attendais pas à ça, Elisabeth. Ah, c'est fort ça en vrai. Et là, je suis pire que vous. Craignez-moi. Elle est en train de brûler, Mskina. Mais c'est vraiment un ouf, hein, Robin. Je crois que c'est celui qui a le meilleur gameplay en termes de combat. Hein. C'est incroyable. L'activité se calme sur la fréquence de la police. Revenez au beffroi dès que vous le pouvez. Ah bah, c'était une prise d'otage. Là, j'ai même pas eu le choix, frère. C'est dingue, ça, quand même. Je savais qu'il fallait s'en méfier. On avait coffré Jacob. Il allait enfin rendre des comptes. Et maintenant, elle a tout ce qu'il faut pour lancer la nouvelle phase de son projet. Quand il l'a tapé. Elle va prendre nos alliés pour cible, pour nous maintenir à l'écart. Tout à fait. J'ai déjà pris l'initiative de les prévenir. Lucius s'est retranché dans un endroit sûr avec une équipe de protection. Lucius. Et Montoya mobilise ses personnes de confiance. Ça ne suffira pas. Ils mourront sans notre aide. La Ligue frappe. Partout dans la ville. Ça a déjà commencé. Diwala, c'est vrai? Diwala, j'ai dit. Si tu dis pas voilà, je crois pas. Il y a du nouveau sur le tableau. Ouais, on bat les couilles du tableau. Allez, ciao. Je te jure, quand j'ai cut là, il a osé dire. Talia a une longueur d'avance. Talia a lancé la Ligue aux trousses de nos principaux alliés. Elle a réussi à les identifier. Ils ont besoin d'aide, vite. Je m'en occupe. Envoyez-moi leur position. C'est déjà fait. Hop. Hop, 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 hop. Pop. Quand même, c'est pas mal, mais je sais pas. Je parle en termes de déplacement, ça pourrait être plus rapide. Je sais que j'avais installé un mod un jour, j'en avais fait une vidéo. Bon, c'était abusé, hein. Vraiment, j'ai parcouru la ville. J'ai juré, j'ai parcouru la ville. La preuve en vidéo, littéralement, vous pouvez la voir. Mais là, c'est plus lent, mais en vrai, c'est... l'autre c'était abusé. Tu peux pas jouer comme ça normal. Genre tout à l'heure j'aurais fait la poursuite avec Talia. Mais vas-y, je me serais retrouvé
faire sur le pont là-bas, tu vois ce que je veux dire, genre c'est... Bref. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je sais que cette vidéo, ça va pas faire plaisir à plein de monde, c'est pas grave. Moi, j'avais envie de me faire ce petit plaisir, et peut-être que je retournerai sur le jeu encore une fois, je sais pas, prochainement ou dans... Bref, on verra. En tout cas, prenez soin de vous, j'ai reçu une vidéo. Peace. Hey, well.